copains qui m'attendent au restaurant. Et toi, c'est le moment que tu choisis pour me faire une scène. Une quoi? Une scène. J'ai pas d'autre mot. D'accord. Et il y aura qui cette soirée que je connais? Alors, il y aura Jean, Thomas, Simon, Pierre... Ah, Pierre. C'est lui qui a les cheveux longs? Oui, et... Oui, bah, reconnais quand même qu'il a un genre un petit peu bizarre. Il est gay, maman. Lâche-lui la grappe. On est en 33, c'est peut-être temps d'avoir la vision un peu large, non? D'accord. Et il y aura qui sinon que je connais ou quoi, d'ailleurs? Bon, il y en a un que tu connais pas... Ça s'appelle Judas. Judas. Ah non, je connais pas. Et il fait quoi ce Judas dans la vie? Il est délateur. Ah, c'est bien. Bon, il délate, il rapporte aux Romains tous les trucs qui sont un peu louches, et puis ça lui arrondit les fins de mois, quoi. D'accord, et tu l'as pas pour toi? Parce que je te fais quand même remarquer que tu n'es pas très très bien vu par les Romains en ce moment. Non, mais il m'a dit qu'il m'adorait et qu'il ne ferait rien. Et en plus, ces derniers temps, j'ai étudié pour les gens, je te le dis, le Judas. C'est pas un mauvais goût, hein. D'accord. Mais attention quand même. Celui-là. Je le sens pas. Et sinon, il y aura des filles cette soirée? Non, c'est un interdit de garçon Mathieu. Pour rester entre nous. On sait ce que c'est un interdit de garçon. Il y a toujours 2-3 filles faciles qui traînent dans les environs. Même Marie-Madeleine, elle n'est pas invitée, hein. Notre pouf. Oui, bon, je te rappelle que Marie-Madeleine a dû grandir sans ses parents. Oui, elle a fait appel à l'escorting pour financer ses études, mais c'est vrai que tu sais pas ce que c'est qu'être dans la galère, toi. Ah bah oui, c'est vrai qu'on roule sur l'or, moi ça se voit d'ailleurs aussi. Je te rappelle aussi que papa et toi, vous avez pas hésité à faire appel à Dieu pour qu'il vous aide à faire une PMA. Et ça, si ça se savait... D'accord. Et pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne suis pas invitée à cette soirée, d'ailleurs. Parce que t'es la Sainte Vierge. Et que 13 amis qui boivent, c'est peut-être pas la meilleure façon de s'amuser. Ah! Donc une bonne soirée décadente, hein. Ah, donc une bonne soirée... Et vous allez boire quoi? Du vin. Ah. Enfin, de l'eau, mais je peux la transformer en vin. Ça aussi, c'est un problème, c'est pas normal, il faut boire le docteur. D'ailleurs, t'as arrêté, tu vois. Non, parce que j'ai encore... Tu me dis que tous les matins, tu achètes une baguette et que t'en fabriques plein d'autres pour offrir aux pauvres. Oui, mais maman, tu fais quoi, toi, quand tu vois un pauvre? Ah, mais moi, je fais rien, parce que... Je les vois pas, je les évite. Et puis quand même, c'est facile, moi aussi je peux fabriquer des baguettes comme ça en quelque sorte. Mais je fais pas. Trop facile. D'accord, mais à part ça, ma soeur, est-ce que je peux y aller s'il te plaît? Bon, d'accord, mais pas trop de vin. Oui, promis, un ou deux verres pas plus. Attention, je verrai à ta clinique. Il y aura des horaires. Et tant que j'y suis, pas d'apparition subite pour nous fliquer? Parce que t'es lourde quand tu fais ça, maman. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio dal partigiano, oh bella ciao. Thank you.
delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, molto per la libertà. Nous a quittés, emporté par une conjonctivite foudroyante. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant vous le connaissiez. Poète, parolier de la compagnie créole, Christian n'hésitait pas à tremper sa plume dans le vitriol. Ses refrains, empreints de lait de coco, hantent à jamais nos mémoires. Christian, Christian, si tu nous as quittés, tu laisses du soleil dans nos CD. Aujourd'hui, en cette date pas du tout anniversaire de sa mort, la Comédie française lui rend hommage en interprétant pour vous un pot-pourri de ses plus jolis textes. Dikalikata. Dikalikata. Oé, oé. Noël, joyeux Noël, bon baiser de France de France. Ce soir, on passe à la télé. Dikalikata. Dikalikata. Oui, oui. Si t'es doudou bien balancé, ou Playboy super sympa, et que tu cherches à t'amuser, alors la compagnie va te chanter. C'est beau pour le moral. Thank you.
sun, the moon, I move along. But I cannot say your head to my guitar. She told me at the baseline, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, and will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. Yeah.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Oui. Vous passez une bonne soirée? Oui. Formidable. Avant mon passage, je suis obligé de clarifier un petit peu pour pas que vous me posiez certaines questions après. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je maîtrise la situation, que personne ne panique. Ok? Tout va bien. Tout ce que vous allez entendre, exact, est créé par le son de ma voix et de ma voix et de ma bouche uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de son rajouté en post-prod, personne ne m'aide à la technique, c'est fait par moi et moi seul. C'est clair? Oui. On est bien d'accord? Oui. Allez, on y va. C'est bien, vous suivez. Continuez, n'ayez pas peur. Ce soir, il y a un bal et tout le monde est en émoi.
Très charmante.
la soirée durera longtemps. 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 También.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Eh ben c'est parti, on y va. Mais...
1954-1900. Le public est vraiment tolérant, il pardonne tout sauf le génie. Mais comment s'empêcher d'admirer ces merveilleux artistes? Eh oui, comment? Je vous le demande. Là, je vous le redemande. Allez. Et je vais le re-redemander. Allez. Bon. Une directrice si énergique, si organisée et surtout si charmante. Yeah.
Mesdames et messieurs, c'était pour vous ce soir le premier spectacle de la semaine, le cabaret chaud de la Pradeaute. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous serez là pour le prochain? Eh bien, ce sera mardi soir, à 21h, ici même en salle de spectacle, une pièce de théâtre bien sûr dédiée pour vous et sur un beau thème qui s'appelle la petite boutique de mode vampire. Et j'ai peur que vous serez aussi nombreux que ce soir. Oui, eh bien, on va commencer à présenter toutes les personnes qui ont contribué à ce spectacle, évidemment. Et on va commencer par celui que vous ne voyez pas. Vous pouvez faire un tonnerre d'applaudissements pour le décor, pour le jeu de lumière, pour le son, et aussi pour l'écran et la vidéo. Un tonnerre d'applaudissements pour Joshua, s'il vous plaît, notre technicien son et lumière. J'enchaîne tout de suite avec celui qui était en saison, bien sûr, avec les enfants pendant la période scolaire, des vacances scolaires, responsable du club enfant, mais aussi animateur général. Vous le verrez au niveau de la balnéo, sur le village toute la semaine. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Tristan! En suivant, vous avez celle que vous allez retrouver au bar tous les jours, parce que vous aimez bien picoler, j'espère. Oui, vous êtes en vacances. Ben oui, on vous donne rendez-vous au bar à midi, le soir, pour l'apéritif, avec un beau groupe qui est Michel & Co. Et il y aura aussi notre barmaid Chanel, s'il vous plaît. Un autre animateur général qui va disparaître du service, mais qui sera là sur les spectacles, évidemment, parce que c'est notre, bien sûr, travailleur polyvalent dans le village. Il fait animateur, animateur enfant, animateur général, et il va travailler dans la salle à partir de la semaine prochaine. Un tonnerre d'applaudissements pour Nathan, s'il vous plaît. Celle qui a joué le rôle de Cendrillon, hein, n'est-ce pas, qui est très bien aussi, malgré son ange. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est dur, c'est beau, c'est magnifique, hein? Quelle insolence, quelle insolence. Parce que bien sûr, on peut faire aussi un tonnerre d'applaudissements pour la directrice de la Pradeaute, s'il vous plaît, Marie-Lise. Le prince charmant, il est beau, c'est lui le plus beau, hein, n'est-ce pas? Il est le plus beau. C'est aussi mon second d'animation. Il nous a fait une belle présentation de réunion d'information ce matin. Ce soir, il est sur les spectacles et il sera toujours là sur le terrain, bien évidemment. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Carlos! Il n'y a pas qu'à toi qui a le micro, hein. Et ensuite... Ah, l'autre, il ne marche pas. Voilà. Tiens, il me vole. Et ensuite, évidemment, il faut quelqu'un pour bien diriger l'équipe de l'animation. Donc lui, il a fait magique. Il est plus là. Il est où? Il est disparu, il a fait magique. Let's go! Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les responsables d'animation, Abdel! Il reste quelqu'un, n'est-ce pas? Il reste quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous, messieurs-dames. Parce que sans vous, nous, on ne serait pas là, on ne ferait pas ce spectacle. On vous remercie. Vraiment, merci, merci d'être venu. Vous savez, il y a un mardi qui peut revenir. Mais tous les soirs, il y a des spectacles. Stop! Allez! Bien. Rien qu'à vous remercier, messieurs, dames, d'être venus.